bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en bateau, on va chercher le cendre principalement et la perche un petit peu, mais on va surtout se concentrer sur les cendres aujourd'hui. Donc beaucoup de verticales, peut-être un petit peu de linéaire, on va voir, mais on va vraiment essayer de rechercher les cendres. C'est pas gagné du tout, comme on arrive dans une période où ça s'est vraiment refroidi. Vous voyez, j'ai le bonnet, les gants, il fait vraiment froid ce matin. Il y a eu l'inversion de température, donc sur les lacs de barrage, nous en fait quand la température descend en surface, quand elle commence à descendre, à un moment il y a les eaux chaudes qui remontent à la surface et les eaux froides qui descendent un petit peu plus au fond. Donc on a une inversion de température entre la surface et le fond au moment du passage à l'hiver vraiment. Donc on a des eaux plus chaudes qui arrivent au fond et des eaux plus froides qui remontent un petit peu en surface. Donc c'est un petit peu compliqué cette phase, les poissons sont un peu paumés. Donc j'espère que ça s'est à peu près stabilisé et qu'on va pouvoir faire du poisson quand même, parce que sur ces phases là les poissons sont complètement paumés entre deux eaux et ils se nourrissent pas. Donc on va essayer ça aujourd'hui, on va essayer de voir si l'inversion de température qu'il y a eu il y a à peu près une semaine n'a pas trop tué la pêche, et on va essayer de faire quelques cendres. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer un peu en linéaire. Ah, oh, décroché. Ouais. Cette touche. Attention, on l'a fait tout. Vous savez, j'ai poussé sur tout le long. Hein. Ah, loupé. Il s'est pas, oui, il était en 80 le sonneur là. C'est pas dégueulasse. Je pensais plutôt une perche. Ah non, un petit cendre. Okay. Un coffret. Il est bien rentré là. Le meilleur charteau, c'est pareil aujourd'hui. Ouais. C'est quand c'est rentré, ça. En tout cas, pour l'instant. Ouais, t'as une coffret. Ça va donner. Bon, attends, c'est le matin. Hein. Voilà. Un petit cent de 30. Allez. Hop. On fait un poisson. Point GPS. Hop. Poisson que j'ai, c'est quoi? Ouais. C'est un poisson que j'ai, ça? Ça ressemble pas à un poisson. Ah, quoi que. Si, si, c'est un poisson. Ouais. Il m'a ramassé sur le front, quoi. Je crois que ça, c'est bizarre. C'est très bizarre, ça. Ouais. Qui semble. Ouais. Hop! Loupé. Encore un petit cendre. Tu as fait où? Là. Moi j'ai fait pas sous le bateau. Ah non, moi j'étais loin. Hop là. Allez, remets mon escape. Tu veux le petit cendre? Allez. Il m'a ramassé bizarre sur le fond. C'était chelou. À poser au fond, ouais. Poser au fond, à racler le fond. Je t'ai pris.
Hop là. Je vais petit sang. Hop là. Et tu vois, c'est le genre de moment où j'ai pas envie de faire un brochet. Un brochet. Parce que le brochet pour le décrocher, sauf si il est piqué à rat, t'es obligé de le prendre à la main. Oh, c'est une boîte! Ça c'était simple. Ah! À couper, ah non, c'était un broc. C'était un broc, je suis coupé. Il m'a foutu une cartouche. J'avais qu'à dire de faire un broc, tu l'aurais. En même temps, 20 centièmes, ça fait pas un pli. Non, t'as un autre joueur là. Il y a une petite touche là, ting. Perche. Elle s'est fait becter elle. Regarde ça. On voit la trace de la mâchoire là. Je suppose qu'il a becté. Allez. Tac. Salut, faire les tours. C'est pas gros, hein. Perche. Hop, décroché. Il y a du fiche sur la zone. Ça sent le pike. Sinon c'est correct. Sinon c'est une cendre correct. C'est pas énorme mais. Juste la patate. Il y a juste une. Il watt comme pas possible lui. Bah il maille quoi. Mais il a les watts hein. Sous le museau. Ça, il s'est posé sur le leurre là. Ils sont vraiment calés au fond. Là c'est un poisson piqué sous le museau. Voilà, regardez comment il est piqué. Ça, c'est un poisson qui est venu le leur poser au fond. Il s'est posé dessus. Il l'a pas bouffé. Il s'est posé dessus. Et il s'est piqué. Mais il est maillé, lui. Il fait quoi, 43, 44. Voilà, je fais les petits poissons. Et il a les watts, hein. Il avait les watts, lui. Hein. Allez, toujours au escape, là. Tête plombée en 10 grammes. À passer au fond. Ouais. Loupe, poisson. Je vais dire louper, mais non, poisson. Zis, il se pose sur les leurres. Hop, petit. Ouais, mais tu vois là, ils les prennent pas. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on prend plus rien. Ils tapent pas dedans. Donc à tout moment, s'ils arrêtent de suivre ce leurre ou de se poser sur ce leurre, tu fais rien. Quoi. C'est pas très encourageant. Quand c'est comme ça. Deuxième qui se pose sur le leurre. Poisson. Posé au fond. Ouais, c'est correct là. Soit c'est un centre qui a encore les watts, soit c'est encore c'est plus gros que le précédent. Ou c'est un broc, j'en sais rien. C'était. Ouais, c'est correct. Hein. Si c'est un cendre, ça fait 60, je pense. Hein. Ouais, si c'est un cendre, ça fait 60 large. Sauf si c'est piqué par le travers, mais. Ah non, ça est correct. Hein.
Ça a l'air carrément correct. Ouf. C'est énorme. C'est une perche. Elle est folle celle-là. Waouh. Photo celle-là, elle mérite. Ouais, je pense qu'elle est grosse celle-là. Ah oh, bah elle mérite, non? Oh, cette perche. Il y a un placard. Ouais. Celle-là. Et là, le escape. Je peux te dire qu'il est au fond. Voilà, regarde. J'ai sorti la mission de l'estomac. Sans forcer. Ouais, mais c'est pas méchant. Alors, combien de café? Ouais. Pas si grosse. Mais elle est large, quoi. 43. Bon, bah voilà. Allez, hop. Alors, la technique pour les décrocher en passant par les ouïes, tu passes par l'ouïe, en fait, du coup, tu fais juste clac et ça sort de l'estomac sans l'abîmer, sans la déchirer complètement. C'est pas toujours coffré comme la perche. De cartouches. Ah là, j'ai pris une. Ouais. Je t'ai pris le schiste là. 0,9 là. 0,8, 0,9. Oh là, cette cartouche. Ouh. Ah ouais, 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 là j'ai pris une schiste. Peut-être que là, je savais qu'il s'est levé. Putain, enculé de brochet, il est toujours là le con. C'est le même. C'est le même, mais oui, c'est le même. Chier, con. C'est possible, tu es en 20e. Bah ouais, je suis en 20e. Même c'est endroit, c'est le même. Escape. Oui, c'est le même broc. Le bâtard. Deux fois une coupe. Mais non, chier, quoi. Voilà. Ça devrait être pas mal. Loupé. Okay. Ah, je pense. Bah attends, ça pour les perches, c'est radical. Poisson. C'est génial ce montage. Ah mais je vais te les déboîter les perches avec ça par contre. Hop là. Eh ben, c'est coffré, hein. Hop. Ah, le petit leurre imitation perche là. Fait le job. Bon, c'est pas gros mais. Je viens d'essayer ça là. Je me suis monté. Petit montage tirette. Premier lancé, boum. Donc c'est plutôt efficace comme montage. Je pense que je vais pas mal pêcher à ça. En même temps, t'as aucun poids sur le leurre. Tu leur présentes tout doucement, le truc il plane tout doucement juste au-dessus du fond. C'est radical. C'est des pêches lentes, c'est bien, y a pas de vent là. Elle était correcte en plus. Ouais, coffret. Hein. Coffrage en règle. Tu as vu comment il est abîmé ? Il est déboîté. Je sais pas ce qui lui est arrivé à lui, mais. Il a fait une mauvaise rencontre. Hein. Bon, ben, on va continuer par là. Hein.
De 5 mètres coffrets. Ouais. Ah là, fait pas chaud. Oh, loupé. Loupé ? Oui. Regarde. Ouais. Ouais, loupé. C'était encore pas gros. Hein. Ouais. Ça a été encore un tout petit truc. Hein. Bon, mais bonne soirée. Hein. Bon, voilà, fin de cette session. C'était bien sympa. Quelques poissons ce matin, un peu plusieurs cet après-midi, mais bon, c'est bien amusé. C'est le principal.